Vous avez, évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées, vous avez abusé, plus qu'abusé, dans cette, c'est même plus de l'analyse, des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré. Et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un coup d'un revers de la main d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Moi, c'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que t'as des passe-droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire que il faut avoir un petit peu de pudeur. Je parle pas de toi, Moumen, hein. J'en fais une règle générale. Qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, et je vais citer les noms, Adeline Guédioura, qui a été pointée du doigt, on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment, j'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islem Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme il y en a tellement, il y en a tellement. Riyad Mahrez, pendant une année, on lui tombe dessus. En tout cas, l'année où j'ai pu bosser, où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là, qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui, comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude. Là où ils ont l'habitude de s'exprimer, c'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figure, Zama, et ben ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire, et la gestion de c'est pour ça que je vous ai dit le mérite en revient au joueur. Parce qu'un joueur comme Adeline, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, ah, elle a tous mes respects, s'il n'a pas le vôtre, moi il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui ne peuvent plus continuer. Moi, je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Cheb. Parce que c'est toujours le Cheb qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire, ils prennent le pape à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens qui, c'est des consultants sportifs. Elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant, ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah, qu'ils reviennent plus, qu'ils réapparaissent plus. Parce que leur mal, il est profond. Leur mal, il est profond. Inch'Allah, qu'on les voit plus. Vous savez de qui je parle. Moi, je suis à la limite. Moi, j'ai pas, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je donne pas de nom? Parce que au moins, ils donnent des noms. Au moins, comme ça, d'un revers de la main. Derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes de. Ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doivent être une liste, qui nous expliquent qu'est-ce que doivent être, qu comment doit être, comment on doit manager un groupe, qui nous expliquent Tarek Lab. Donc, eux, ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu qui nous explique tout ça. Je leur dis, là, je leur envoie un message de cette tribune-là. Yalhamouadikoum, venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi, j'aurai aucun problème à apprendre de ces gens-là. Mais qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain. Faites votre liste de joueurs. Mettez votre système de jeu en place. Faites-les bien jouer, faites-les jouer comme Barcelone, gagnez, apportez un plus au pays. Et là, j'applaudirai et je vous regarderai, j'y allez, je vais apprendre de vous. Mais allez sur les plateaux et venir avec un papier, un stylo, Zama, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je ne sais pas ce qu'ils écrivent, moi, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier. Et qui viennent nous raconter leurs bêtises. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Et quand le vent tourne là-bas,
Ils ont mal le mariage. Ah, ils vont avec le vent et ils truquent et ils surfent sur la vague comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est de la, comment on appelle ça? Et le mot, je l'oublie. Avec eux, on oublie notre. C'est quoi? C'est de la, c'est pas de la, pas, je vais pas dire la paranoïa, c'est de la schizophrénie. Moi, dès que j'ai dit ça, barakallahu fik. Schizophrénie de dire un jour. Et quand je vous avais parlé à l'époque, et je reviens sur les sujets parce que quand vous bloquez sur un truc jusqu'au bout, l'autre, on lui dit, je dis l'autre, viendra le moment où je dirai les noms. Dès qu'on passera une autre truc, moi aussi je dirai les noms. Maintenant, ça sera comme ça. Qui nous dit que, non, il a dit que il va gagner la Coupe d'Afrique. J'ai dit dans toutes les langues. Je l'ai rappelé partout. Wallah al-Adim, bessif, j'ai dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Ces personnes-là qui disent ça. Et qu'aujourd'hui, ils disent tout le contraire, ça peut pas passer comme ça. Wallah, ça peut pas passer comme ça. C'est tellement grave. Tout ce Riyad Mahrez qui nous a envoyé dans les étoiles. Ça, oulallah. Vous étiez tous là. Quand il a truqué, vous avez tous vibré, non? Quand il marque son but contre le Nigeria. Celui-là, ça, il sait pas jouer au football. Celui-là, le chien, il faut qu'il l'attende. Au cas où ça passe pas. Ça passe pas. Ça doit plus jamais exister. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument changer. Et je répète, moi, c'est là où je mets le doigt. Tous ces nouvellement retraités, allez sur les terrains et apprenez-nous comment on doit jouer au football. Et on apprendra de vous et vous apporterez quelque chose à votre pays. Restez pas sur les plateaux comme ça, critiquer. Allah, j'ai oublié ta question, Khoyam. Fouzi Roulem nous avait fait part de son message. Et en plus, je vais vous dire quelque chose d'autre. Sur ces listes-là, quand on critique aussi facilement les joueurs, qui est habilité, quelle compétence, Semhouli, je dis, Hassan Mestahlach, à nous dire qui doit être sélectionné, qui ne doit pas être sélectionné. Ça dépasse le journalisme. Vous êtes plus dans le journalisme, les gars. Venez sur le terrain. Venez nous apprendre comment, qui est bon, qui n'est pas bon, l'islah, l'imeslah. Venez nous faire ça. C'est pas comme ça qu'on balance. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas les éléments. Restez à votre place. Sachez où se place votre limite, comme je sais où elle est ma limite. Fawzi Roulem nous a fait part à nous tous, qu'il n'était pas prêt physiquement. Vous n'allez pas me reciter à chaque fois le nom de Fawzi Roulem. Vous venez de gagner une Coupe d'Afrique. Parlez-moi de Elias Chetti. Parlez-moi de Rami Belzebaini. Parlez-moi de Mohamed Fares qui vient de se faire opérer. Arrêtez de dire des choses comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là. Mais il nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt. Le jour où il nous fera part qu'il est prêt, on reconsidérera sa sélection. Et pour les Aït Nouri, tout ça, aujourd'hui Aït Nouri est dans l'équipe de France Olympique. La Russie n'a pas une minute en première ligue. C'est pas un joueur qui a fait deux matchs amicaux avec truc que je vais ramener dans l'équipe nationale. Ah, n'abusez pas quand même. Ok. Hein? Les joueurs du golf, Yacine Beneda, t'es parti dans tous les sens. Je suis parti au Mercato. Il y a des joueurs qui sont partis au Qatar, comme. Oui, je sais qui est parti au Qatar. Des joueurs qui sont partis à des clubs comme Ajvada qui n'était pas sélectionné dernière Coupe d'Afrique. Est-ce que ce constat, ce Mercato, aura un impact direct sur vos listes pour les prochains matchs? Mais c'est pas des mercato, c'est pas des choses comme ça qui ont un impact sur les listes. Moi, c'est des joueurs, comment il est performant, qu'est-ce qu'il fait, comment il joue, où il joue, peu importe. Meilleur défenseur de la Coupe je vais simplifier un peu ce que tu es en train de dire. Le meilleur défenseur de la Coupe d'Afrique, c'est qui? Blamri, il joue en Arabie Saoudite. Bardad Bounedjah, il met un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien. Oui ou non? Un des buts les plus importants du football algérien. Il joue. Donc, Youssef Blaili, je continue, puisque ta question, je l'ai bien compris. Malgré qu'elle avait, elle est partie dans tous les sens, c'est une question zigzag. Youssef Blaili joue l'Espérance de Tunis. Donc, je sais pas, comment? Il jouait pas en Bundesliga, je veux dire, il joue dans le championnat tunisien, avec tout le respect que j'ai pour le championnat tunisien. Et ça a été un des joueurs les plus importants de cette compétition. Je veux dire, c'est le championnat, oui, a son importance parce qu'il y a une certaine compétitivité, parce qu'il y a tout ça. Maintenant, moi, c'est celui qui peut aujourd'hui, quand on met un Jamel Belhamri et qu'il est performant comme il l'est, regarde, je vais dire, ah non, toi tu joues maintenant en Arabie Saoudite, tu joues à Shabab, c'est plus possible. Il y en a un qui joue à Angers ou je sais plus quoi. Non, maintenant, c'est tu viens en sélection, tu montres. Tu actes ta sélection via une performance, tu reviens.
Voilà le truc. Moi, ces considérations-là, elles sont. Islam Slimani qui joue à Monaco. Vous voulez parler de ça? Islam Slimani, vous êtes tombé dessus. Islam, vous êtes tombé dessus. Pas toi, je sais pas toi, mais en tout cas, une majorité, facilement. Vous avez tout oublié. 3 buts en une mi-temps et demie. Et il avait dit s'ils étaient en 3 mi-temps. Et il avait, comme il dit, s'il était venu plus tôt, il savait pas que le championnat de France était aussi facile. C'est Islam Slimani. Voilà. Donc, ça, il faut, les gars, vous pouvez plus me parler de liste comme ça. En gros, moi aussi, je me perds comme vous vous perdez, parce que vous pouvez plus me parler de liste. Vous avez parlé de liste, vous avez, n'oubliez pas, soyez pas comme ça, aussi, d'oublier si vite. Il y a un mois et demi, la liste, elle était très mauvaise, les joueurs, ils étaient très mauvais. Oh là, je vous reparlerai pas de liste, en tout cas, pas de sitôt.